Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert en fin d'année dernière, donc il n'y a pas longtemps, c'est VanArt sur PlayStation 1, donc il est sorti en 99 au Japon et en 2000 aux États-Unis, donc pas en Europe malheureusement. Si j'avais eu ce jeu à l'époque, je crois que j'aurais été tout foufou, parce qu'il me fait beaucoup penser à Titan War sur Saturn. Il me fait penser un peu à Omega Boost aussi sur PlayStation. Un peu aussi à Rebel Assault 2. Beaucoup à Galaxy Force 2. Et un peu à Lila War aussi. Donc vous voyez, vous avez compris, c'est un shoot vu de derrière. Mais avec un scénario, on suit une histoire. Hein. Donc un laboratoire qui veut produire une nouvelle race d'êtres vivants, d'êtres humains, avec des capacités supérieures, et ils veulent éradiquer la race humaine telle qu'elle existe. Donc on va faire partie de forces terriennes sur Mars. Et du coup, il y a un petit scénario sympa. On a des débriefs, on a des missions, on discute avec tous les autres pilotes qui sont avec vous. Alors on n'est pas 50, on est 4-5, au fur et à mesure de l'histoire. Et on a un robot avec soi, en permanence, un peu comme R2-D2, sauf que lui, il vole, et il vous suit partout. Et il est avec vous lors des phases de combat. Et je trouve ça génial. Il est vraiment agréablement surprenant, ce jeu. Parce que je l'ai trouvé bluffant au niveau du visuel. Là, il pousse bien les capacités, je trouve, de la PlayStation 1. Les niveaux sont très beaux, vous verrez. On a des zones de combat assez variées. On va se retrouver au-dessus de l'eau. On va plonger. On va se retrouver dans des grottes avec des laves. Et des mers de lave, de feu. Oh, au premier niveau, et dans un désert où on va avoir des vers géants. Enfin, ça fait même penser à Panzer Dragoon. Je ne l'ai pas sorti, mais franchement, ça me fait aussi. Le premier niveau me fait penser à Panzer Dragoon. Et on a quelques phases différentes où on va être une fois sur un véhicule type moto futuriste. Et puis, on a dans les petites histoires où il y a des dialogues, on va avoir deux petites énigmes à remplir. Mais c'est vraiment. Anecdotique quoi dans le jeu. Alors, on est vraiment sur un jeu de shoot, il y a 7 niveaux, on va avoir très souvent deux boss dans un niveau, hein. Donc un boss intermédiaire et un boss de fin, et puis une nuée d'ennemis. Il y a un truc important qu'il faut que je vous dise, c'est pas seulement un shoot vu de derrière, c'est aussi un shoot, c'est pour ça que j'ai parlé de Mega Boost ou encore du Star Wars, c'est que on a des phases d'attaque d'un destroyer par exemple, vers la fin, un destroyer comme un destroyer de l'Empire. Et on va le survoler, on va retourner autour de lui, etc. On va être dans une arène. Ça va plus être du 3D précalculé où on avance. On va vraiment revenir, tirer sur des tourelles, revenir, etc. Donc, ça varie le gameplay quand même. Hein. Et on a un boss aussi à la fin, énorme, hein, une espèce de poisson géant métallique. Et bien, pareil, on va pouvoir tourner autour de lui pour toucher ses points faibles. Donc, c'est pas seulement un shoot vu de derrière. C'est bien rythmé. C'est pas facile. Enfin, si c'est, il est quand même facile, je trouve. Mais on peut facilement se faire descendre quand même, paradoxalement. Et quand on va à chaque niveau, en fait, on va avoir 4-5 continues. Donc, ce qui permet quand même de reprendre une phase de boss. C'est pas punitif. On ne reprend pas au début. On va reprendre où on en est, en fait, dans la phase où on en est. Et avec une vie pleine, parce qu'on a une vie, quand on se fait toucher, notre vie diminue. Et si on se fait tuer, on a un continu et on peut reprendre là où on en est. Donc, grâce à ces continus, ça lui donne une certaine facilité. Je l'ai fini. Vous voyez, j'y ai joué à la fin de l'année, là, après avoir terminé Goldorak. Et j'étais très enthousiaste. Hein. Je dis, oh, faut absolument que je le présente. Je le connaissais pas, putain. Et je me demande si vous le connaissez, si certains d'entre vous l'ont fait, sûrement. Hein. Mais je trouve ça génial de découvrir des jeux comme ça. Et quand je vois les critiques qu'on peut se faire sur les jeux qui sortent aujourd'hui, et ben moi, je trouve un jeu que je connaissais pas, dans un style que j'adore, et ben je suis bluffé par la réalisation, le graphisme. Vous verrez, quand on va dans l'eau, eh bien, on a les reflets de la lumière, du soleil dans l'eau, mais les rayons de soleil, quoi. Alors que c'est moche, finalement, vous voyez, on est sur PlayStation 1, ça a vieilli. Mais je sais pas pourquoi, moi, quand j'y ai joué, j'ai été bluffé par le visuel. Dire ce que vous en pensez, mais waouh, j'ai passé un bon moment. Donc, je vous le conseille vivement, pour ceux qui aiment les shoots vues de derrière comme moi. Waouh, j'ai même presque envie de vous dire, c'est une référence que je ne connaissais pas. Allez, je vous emmène.
Je vous ai pris des extraits de pas mal de niveaux. Pas les niveaux complets, parce que parfois les duels contre les boss, ça peut être assez long. Faut repérer leurs points faibles. Une fois qu'on les dégomme bien avec les points faibles, ça va bien. Mais bon, c'est un peu long, donc je vous ai mis des petits extraits à droite, à gauche, pour que vous ayez un aperçu, en fait, hein, de pas mal de petits niveaux, là, avec le visuel, le son aussi, c'est de la bonne musique. Donc, c'est trépidant, c'est hyper jouable, là, putain. Le chasseur, il est en vue externe, hein, on ne peut pas être en vue interne, c'est dommage. C'est hyper maniable. Ça se joue avec la manette, la dernière qui était sortie sur PS1. J'y joue sur ma vieille PS1 parce que ça buguait justement au niveau des manips avec la PS2. Donc bon, pas grave, j'ai encore ma PS1 qui fonctionne très bien, Dieu merci. Bon allez, on y va parce que là je m'éternise. Allez, à tout de suite! Allez, je vous fais voir ce qu'il donne, ce Vanark. Donc, je viens de charger ma sauvegarde. Donc, comme j'ai fini le jeu, j'ai accès, et ça c'est super, à tous les stages. Donc si j'ai envie de refaire un niveau, eh bien, je peux. Alors, par contre, on n'aura pas les cinématiques des briefings, on n'aura pas les petites phases quand on se balade dans le vaisseau et quand on discute avec tous les gens qui sont avec vous. Mais au moins, on peut refaire les niveaux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et dans les options, eh bien, on va pouvoir modifier les effets sonores. Hein. Donc on peut baisser un petit peu la musique si on veut. Donc, je vous donne un aperçu du tout premier niveau, peut-être, ou on va directement au deuxième. Allez. Le premier niveau me fait penser un peu à Panzer Dragoon. Donc là, on voit la petite phase animée du décollage. Avec son robot. Ça peut être 2D2, mais c'est le même genre. Mars, défense, force. Donc on va être en vue externe. Hein. Donc là, comme c'est le premier stage, on a le choix qu'entre deux personnages. Donc Lynn et Morton. Donc ils ont chacun les caractéristiques de combat différentes. Vous voyez? Au niveau de leurs compétences. On va prendre Morton. Et on va pouvoir aussi, au fur et à mesure, choisir des armes différentes. Donc là, comme c'est le premier niveau, je ne peux pas. Et bah, on a des lasers. Et puis des tirs à tête chercheuse. Donc vraiment du classique, mais du bon classique. Donc là, je rejoue pour vous, parce que je l'ai fini qu'une fois. Donc je l'ai fait à la fin de l'année dernière, fin décembre. Il m'a bluffé, franchement. Ah, les fameux verres, hein. Ouais, je les trouve super, hein. Franchement, j'ai tout de suite été bluffé par ce jeu. On a sa ligne de vie en bas. Hein. Oh, le poisson, genre. Vous voyez, comme je l'ai fait qu'une fois, bah, je me rappelais plus des gros poissons métalliques là. Regardez-moi ces effets spéciaux là, cette luminosité, ces rayons de lumière dans l'eau, pas magnifique. Ah, sale créature marine. Va ressortir de l'eau. Ouais, regardez-moi ça, c'est pas beau.
Ah, ils sont bien blindés quand même les bateaux là. Regardez, waouh, on voit bien la transparence de l'eau quand même, hein. C'est sympathique. Ah, il faut accélérer. Allez, on va voir le semi-boss. C'est une raie. Oh là là. On va essayer de la descendre. Ah, il se barre. Ouf. Allez, on l'a eu. Ah. Phase là dans la grotte, oh, c'est terrible. Avec, avec cette mer de lave là, ça déchire. Ah, je ralentis à mort là, parce que j'ai pas envie de me prendre tous les rochers. Donc, ceux qui se baissent, ceux qui se lèvent là. Se rattraper par ces trucs rouges là, ça pompe son énergie. Allez, on va avoir à faire une créature de feu. Eh, franchement, c'est bien foutu, non, la lave là. Je fasse gaffe parce que. Ouf. Il a balancé là. Faire attention parce que s'il nous fonce dessus, on meurt. Hein, parce que on n'appréciera pas trop le choc. Moi, je suis impressionné par les effets, hein. Franchement. Ah, je me suis fait toucher, mais on devrait l'avoir là. On l'a eu. Donc là, vous allez voir, on n'est plus. En phase précalculée où on avance, là on va tourner autour du vaisseau, on va être dans une zone de combat. Et bah, c'est génial. On va
faut vous faire voir toute la baston parce que c'est un peu long, parce qu'il faut détruire toutes les tourelles et après on va pouvoir buter le poste principal qui pour l'instant est protégé dans son bouclier. Robot ennemi, c'est trop bien foutu, machin. Franchement, wow. Ça pète. Si aujourd'hui, bon voilà, c'est un peu vieilli, mais oh, je l'aurais eu à l'époque, ce jeu-là, waouh. Et maintenant on va détruire. Bon, il y a quand même sa petite ligne de vie. Hein. Ça c'est de l'explosion. Hein. Ça, c'est un big boss. Par contre, je sais pas pourquoi. On manque de son, là. Ah, c'est une scène où il n'y a pas de musique. Et il crache tous les météorites. Et le vaisseau mère est détruit. On ne peut plus revenir en arrière. Voilà notre boss. Il est pas beau. Voilà. Ah, il bouge sa queue, lui, hein. Bon, mais... Ouais, là, là. Pas bien. Passer derrière lui. C'est parce qu'il se barre, ça. Merde, je vais pas lui arriver, celui-là. Il va régénérer ses boucliers, lui. Hein. Vous voyez, on a des duels comme ça avec des boss. Moi, je trouve ça génial. Alors, quand c'est fait avec une qualité pareille, voilà. Allez, prends ça dans ta face. Allez, on l'a eu, Pecno. Alors par contre, si je veux vous montrer
bah, le vaisseau, comment on se déplace, comment on discute. Il faut que je fasse ma nouvelle partie. Bon, là, on s'en fout du niveau, hein, parce que c'est juste pour voir comment ça se passe à bord. Bon, je vais zapper la petite intro. Là, notre vaisseau. La gueule. Ah oui, c'est vraiment le style des jeux d'époque, je trouve, sur PS1. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon personnage. Alors, je peux le faire aller vite, hein. Hop. Ceux qui ont l'habitude du PlayStation 1, bah, on n'est pas des fam... on n'est pas perdu, on est plutôt familiarisé au type de déplacement. Voilà, on a les petits temps de chargement, les portes qui s'ouvrent. Et là, on va avoir un ascenseur. On va pouvoir aller au simulateur en fait, parce qu'au tout début, il faut qu'on fasse à la mission de simulation. Est-ce que je peux aller dans les petites pièces tout de suite là-bas? Oui, je peux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, bah là, je pense pas qu'il y aurait. La fille n'est pas encore là parce que quand on lance la partie, on n'a pas beaucoup de personnages, mais on peut rentrer dans les pièces. Quand on va dialoguer, hein, ah bah si. Il y a quelqu'un. Bon, allez, on va voir ce qu'il raconte. Pas prête pour l'instant. On a la même chose pour les hommes. On a toujours notre petit robot qui est avec nous. Alors lui, il vole, hein, donc c'est pratique, il roule pas. Faire la mission d'entraînement. Voyez, le temps de chargement, c'est quand même assez rapide, je trouve. Hein. Je suis sur ma vie PlayStation 1. Hein. C'est quoi ça? Déjà. Là, les poissons dans l'aquarium, c'est pas beau ça? De toute façon, on se lance pas dans les missions réelles tant qu'on n'a pas fait la mission d'entraînement. Ah, il faut prendre l'ascenseur, n'est-ce pas? Tac, 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 tac. Et on va faire tous les niveaux, hein, on va aller partout dans le vaisseau, mais au fur et à mesure de l'histoire, quand les scènes s'y prêteront. Donc là, Simulator Room. Donc en fait, je vous ai montré vite fait deux personnages, mais on va avoir des briefings hein, dans la salle principale. Des rapports de mission, on va suivre l'histoire aussi. Hein. Petit scénario sympathique. Donc là, je zappe un peu.
Donc voilà, là on est dans la dans le simulateur. Même dans le simulateur, on choisit ses armes. Bon, au départ, on n'a pas grand-chose. C'est classique, hein. Ça va vite, hein. J'essaie de freiner, mais je l'ai fait une fois. Oui, on peut tirer avec nos lasers. Ça faut se dépêcher. Pour rien. Ah! Et on accélère avec R1. Pas obligé de se cogner. Ça va, c'est court, hein. Franchement. On prend là ces petits résultats. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. Donc c'est gentil, c'est sympathique. Chose. Voilà. Donc les petites phases de dialogue, hein, avec l'histoire qui continue. Donc bon, c'est sympa, franchement, c'est immersif, ça nous donne une petite ambiance et sympathique. Là, le commandeur va nous donner en fait les missions à suivre. Et comme j'ai fini le jeu, hein, je vous montre des extraits. J'ai pas besoin de regarder les cinématiques et les phases de dialogue. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Ne pas être obligé de suivre tout ça. On a des petites choses à faire à droite à gauche, une ou deux fois, qui n'ont rien à voir avec le shoot, mais c'est sympathique. Là, je vais zapper la fin du discours parce que. Alors on part en mission, hein, comme d'hab. Hein.
Ouais, bien pour ceux qui ne le connaissaient pas comme moi, j'espère que vous êtes agréablement surpris, comme je l'ai été fin décembre. Franchement, je vous le conseille vivement. Alors, plutôt en version américaine que japonaise, parce qu'on peut quand même suivre un peu les dialogues, l'histoire, les briefings. C'est quand même plus simple de l'avoir en anglais, quoi. Mais il est plus cher, hein. En américain, il est plus rare qu'en japonais. Mais sinon, bah, vous le faites vous-même, hein, le jeu, hein, ou vous jouez sur un émulateur PS1, hein, aucun souci. Ok? Moi, je l'ai fait moi-même, hein, pour tout vous dire, hein. J'ai découvert à la fin de l'année. Donc, je suis ravi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. On continuera de varier les plaisirs.